kadi furula sinemani anga nyoko famu kadi furula sinemani kadi furula sinemani anga nyoko kanu kadi furula sinemani kadi furula sinemani anga nyoko famu kadi furula sinemani. Sur tout ce que j'ai de plus cher au monde, si tu ne dis pas la vérité, je t'enlève automatiquement de ma vie. Et ça pour toujours. Assieds-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Nora. Je ne sais même pas par où commencer. Mon mari me bat nuit et jour. Non mais franchement, il t'a complètement défiguré. Putain. Mais dis-moi, est-ce que le mariage est forcé? Si ça ne marche plus entre vous, retourne à la maison tout bonnement ou bien? Laura, toi-même tu fais comme si tu connais pas papa. Oh. Je vais prendre mes clics et clats pour rentrer en famille. Après c'est pour me bannir. Oh, t'auras bien qu'on fout les moulins. Qu'on fout les bébés là-bas. Et les bébés papa raccourdent. Franchement, c'est trop testo à la bilaye. Tu sais, le respect de la décision des parents est très important. Mais là, il s'agit d'une histoire de vie ou de mort. Car plus de 30% des femmes sont victimes de violences conjugales. Et la plupart, ils laissent leur vie. Donc si tu quittes ce mariage, même Dieu ne t'en voudra pas, wallahi. Il y a une grande place ici chez moi, tu peux rester. Ok? C'est sûr? Oui. D'accord, merci. Arrête de pleurer, s'il te plaît. Et... Pardon. Où est mon téléphone même? Ce qu'on va faire, je vais appeler Bouba. On va aller à la clinique pour voir s'il n'y a pas de problème sur lui, ok? C'est pas grave, Nora. Non, 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 on va à la clinique. Franchement. C'est vraiment un lâche, quoi, Wallaï. Son mari qui l'a tabassé comme ça. Mais comment un homme peut arriver jusqu'à ce point, franchement? Mais il a dépassé la limite. Moi, ça me donne des maux de tête même, je te jure. Son mari mérite vraiment le pire. Une si belle femme comme Anita. Non, franchement, elle ne mérite pas ça du tout. Bon, bref. Tu peux la dire qu'elle est chez elle. Elle peut faire comme elle veut. Merci beaucoup, bébé. C'est gentil. Franchement, certains hommes. Je suis dégoûtée, hey. Wallaï. Ça m'énerve trop. Arrête!
Arita! Arita! Hé, hey, sortez-moi ma femme, ouais! Hé! Chef! Quel est ce bougon-là? Hein? Tu te crois où? Tu baisses des tons et ça tout de suite, ok? Tu penses que tu parles avec ton petit mari là? Je suis pas ton petit mari, hein. Contrôle ton langage. Y'a quoi même? Chek, toi tu n'es qu'un sale lâche Wallet. Un homme qui frappe sa femme. Hein? Barika Banto. C'est Anita que tu peux frapper. Moi si tu me touches, tu vas finir ta vie en prison. D'ailleurs même, sors de chez moi. Et ça tout de suite. Tu sors de chez moi, j'ai dit. Attends. Sors de chez moi. Il fallait m'attendre. Je vais te casser ta tête tout de suite. Je vais mourir, je crois que je vais mourir. Non, ne dis pas ça. Tu es jeune, tu es belle, ne dis pas ça, s'il te plaît. Je souffre. Non, s'il te plaît, ça je souffre, tout ça va finir. Tout ça va finir. S'il te plaît, arrête de courir. Anita. Allô papa. Anita, si jamais tu ne retournes pas dans ton foyer, tu peux mettre une croix sur notre famille. Et papa, il me bat. Il me bat nuit et jour, papa. Je ne te laisserai jamais nous faire honte. Eh hey, papa, ça va aller. C'est compris? Jamais. Allô? Allô? Allô papa? Allô? Anita, tu es là? Oui, Nora, je crois que je vais rentrer. Hey, mais pourquoi? Papa vient de m'appeler que si je ne me retourne pas chez mon mari, qui va me réunir? Laissez-moi rentrer, s'il vous plaît. Ça, c'est quelle mentalité, ça, encore? Laissez-moi rentrer, c'est pas grave. Parce que je souffre vraiment. Arrête de dire ça. Ne dis pas ça, s'il te plaît. Dis-moi. Tu as toutes tes photos dans ton phone, non? Voilà. Envoie-moi toutes tes photos, tout de suite. Et laisse-moi gérer pour mon oncle. Je sais ce que je dois faire maintenant, ok? Tu ne vas nulle part. Retourne ranger tes affaires, ok? Tu vas rester ici. Laisse-moi rentrer. Non, tu vas rester ici. Et tes papas Kodo. Je t'ai dit de me laisser faire. C'est mon oncle, non? Laisse-moi faire. D'accord. Arrange tes affaires. La fille, elle va mourir comme ça, pour rien.
Et puis on lui dit de rester comme Yuni Savali. Ça m'énerve trop. En plus, le gars, il n'a même pas honte. Bébé. Avec un petit enfant comme ça, tu bats une femme. C'est pas un homme, c'est un lâche. C'est un imbécile, quoi, voilà. Certaines sont quand même, c'est pas la peine. Bébé. C'est bon? C'est bon. Après que Anita m'ait envoyé les photos, j'ai contacté une ONG qui lutte contre les violences conjugales, qui ont tout de suite pris les devants en allant d'abord voir ses parents pour les sensibiliser contre les violences conjugales. L'ONG a aussi traduit son mari en justice et elle a pu obtenir le divorce. Elle vit heureuse et en harmonie avec ses parents. À mon avis, rien n'explique les violences conjugales. Arrêtons. Dieu a créé le mariage ainsi que le divorce. Si ça ne va pas, le divorce est mieux. Saviez-vous que 30% des femmes sont victimes de violences conjugales? Et aujourd'hui au Mali, les chiffres ne font que s'accroître de jour en jour. Certaines femmes même sont piégées et obligées de rester dans cette violence intense par la faute des parents. Alors, très chers parents, le mariage est une chose merveilleuse, mais ne vaut pas la vie d'une personne. Alors, apprenons de tous ces cas de violence qui se passent chaque jour dans le monde entier. Bikadi, furula, sinemani, anganyogo famu. Bikadi, furula, sinemani. Bikadi, furula, sinemani, anganyogo kamu. Bikadi, furula, sinemani. Bikadi, furula, sinemani, anganyogo famu. Bikadi, furula, sinemani. Bikadi, furula, sinemani.